J'essayais de déceler en lui ce qu'il désirait le plus, ce qu'il aimait le plus dans le canoë, ce qu'il aimait le plus dans l'entraînement. Et à partir de ce qu'il aimait le plus, en décrypter ses points forts et travailler plutôt sur ses points forts que sur ses points faibles. Moi, j'ai souhaité que Tony bascule ou rebascule du côté de l'athlète, vraiment qu'il soit centré sur être dans son bateau, être sur sa pagaie, avoir envie de progresser dans sa navigation. Et ensuite, pour arriver à ça, pour moi, c'est une préparation totale, une préparation globale d'homme, et finalement, qu'il se sente bien dans tous les aspects de sa vie en général. J'ai un petit billet là, je ne sais pas si vous voyez. C'est le concert de David Guetta ce soir à Londres. Donc on profite d'être à Londres en stage et voilà, on va faire un gros break. Bah, ça va être génial, donc je vous invite à me suivre. Je crois qu'on est là. Tout ça, c'est une question d'équilibre. Je pense que cette notion d'équilibre dans ma vie, elle est centrale. Je pense que je pratique un sport d'équilibre. Je pense que la qualité principale aujourd'hui pour un séiste, c'est quand même des qualités d'équilibre, d'adaptation permanente. Bah, le corps, je trouve qu'il se débrouille pas trop mal. Ouais. Parce qu'il gagne en sérénité. Je suis d'un côté, il va subir, c'est sûr que tout l'événement, il va y avoir une pression importante. Mais il gagne autant, si on peut dire, en 2004, où il était plus jeune, où c'était, j'y vais, c'est beau. 2008, Pékin était quand même quelque chose qui était, il fallait renouveler, et c'était pas les mêmes conditions, et c'était pas... Alors que là, c'est tout le bonheur, je le pense. Dans quelques semaines, je serai là, entre ces deux plots, au départ, devant un peu plus de 10 000 personnes. Et je trouve que c'est un moment particulier, ce moment du départ, parce que c'est un moment d'émotion. Rien n'est encore fait. Ça fait 4 ans qu'on s'entraîne et qu'on attend la délivrance, finalement. Et il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là dans la tête. Et c'est vraiment un moment que j'affectionne tout particulièrement. Donc je ne sais pas comment je vais le vivre dans quelques jours, mais j'ai hâte de me retrouver dans cette position. Alors d'ici, on voit bien que juste après le virage, il y a une grande ligne droite qui nous amène quasiment jusqu'à l'arrivée. Et avec une succession de plusieurs chutes, il y a deux chutes principales et beaucoup de rouleaux. Voilà. Donc ce qui est vraiment impressionnant d'ici, c'est qu'on a l'impression que l'eau est toute blanche. Et en général, quand l'eau est blanche, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pentes et beaucoup de difficultés. Donc voilà, ici on est sur la passerelle à la fin du premier tiers de parcours. Et là, il faut s'imaginer qu'il y aura 10 000 personnes dans ces tribunes. Et on n'a pas trop l'habitude dans mon sport, en canoë-kayak, d'avoir autant de personnes pendant une compétition. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi gérer. Donc on essaie d'anticiper de ce que ça pourrait faire. Mais je pense qu'on a du mal à s'imaginer, ça va vraiment être impressionnant. Mais je trouve que dans l'ensemble, en fait, ce qui est vraiment sympa sur ce bassin, c'est que on a beaucoup de plaisir à naviguer dessus. C'est une rivière où les constructeurs ont réussi à assembler toutes les difficultés qu'on peut retrouver sur d'autres bassins olympiques, avec des chutes, mais aussi avec des vagues à surf, avec de l'eau qui va très vite. Donc il y a vraiment beaucoup de plaisir. On a des sensations de glisse et de vitesse qui sont vraiment sympas. Moi, j'ai l'impression que je m'éclate quoi sur ce bassin. Pourtant, j'en ai vu des bassins depuis 20 ans. Moi, quand aujourd'hui j'ai l'impression que pour être bon à Londres, il faut que je rentre le plus tard possible dans la préparation, qu'il faut que je mise justement sur une expérience complète et totale et pas uniquement centrée sur ma course.
Ben, c'est parce que c'est mon expérience et mon ressenti. On voulait vraiment remercier la Fédération Française de Tennis de nous accueillir ici pour ce grand moment pour tous les deux. Voilà, c'est un moment très symbolique pour l'équipe de France Olympique. Je vais écouter ses conseils, je vais ralentir, je serai fort lente et je vais apprécier le finir ce tour, savourer et après la compétition va commencer. Si j'écoutais aujourd'hui les attentes médiatiques ou les attentes de mes partenaires, je ne ferais que du bateau et je me couperais complètement. Il faut être capable de temps en temps de se démarquer un peu des attentes et de faire confiance à ce que l'on ressent. Bonsoir Madame la Ministre. Bon d'abord, félicitations pour votre nomination. Alors ensuite, j'aimerais vous poser une question relative aux sportifs de haut niveau et la lutte antidopage. Et donc ma question est très concrète, comment nous aider à faire en sorte que les autorités de la lutte antidopage mondiale trouvent une solution pour assouplir ce problème de localisation. Je pense que j'ai vraiment une identité paloise, parce que je suis né ici, que j'ai toujours habité ici, j'ai grandi ici. Et donc, j'ai toujours été un peu l'enfant du pays, c'est vrai, ouais. Toute la tribu estanguée fait partie de l'identité de notre territoire. C'est cette tribu-là qui a ancré le sport de canoë-kayak dans notre agglomération. C'est un sportif de haut niveau, c'est un combattant, même si c'est un homme, comme il le dit lui-même, un homme d'équilibre. Ces Pyrénées, là, j'ai les sillonné avec mon pater à pied, faire tous ces sommets, l'osso qu'on voit très bien là. Je suis monté plusieurs fois au sommet avec mon père dès l'âge, je sais pas, peut-être 15 ans quand même, mais ouais, ça reste des super souvenirs. Si j'ai eu ce parcours-là, c'est aussi parce que ce territoire propose les bonnes conditions pour réussir, quoi. Toutes les rivières là qui descendent de ces Pyrénées, ben on les a descendues dès l'âge de 7-8 ans. Et le gave de Pau, effectivement, qui coule ici. Et c'est là où tout a commencé pour moi il y a plus de 25 ans. Et aujourd'hui, ben, je continue à naviguer ici, à me préparer pour les Jeux, pour mes quatrièmes Jeux, sur la même rivière. C'est un grand privilège parce que moi, j'ai toujours pu organiser ma vie un peu comme je l'espérais. Quand il était au début, en 2000, je pense que c'était un peu dur de savoir s'il était en forme, pas en forme, s'il était bien, de quoi il avait besoin finalement. Plus il avance, plus il sait exactement et de quoi il a besoin, et je pense, et plus il est précis en fonctionnement. Et là, il est reparti, je pense, sur le feeling et laisser libre cours à ce qu'il sait faire, à sa navigation, prendre la meilleure vague, quoi, je dirais. Le fait de voyager énormément pendant toute la saison, me rend du coup quand je suis à la maison assez casanier et je suis bien quand je suis ici avec mes enfants, ma femme, et que j'ai un agenda assez simple, quoi. J'essaie de passer un peu de temps avec les enfants, en général j'amène mon fils le matin à l'école à 8h30, derrière je sais que j'ai une heure là pour faire un peu d'administratif, de régler quelques contraintes, quelques sollicitations, ensuite je pars à l'entraînement. En général, j'arrive à me poser ici entre midi et deux parce que j'ai besoin justement de recharger les batteries pour ensuite partir loin à l'étranger et plein de fraîcheur. Ouais, on y va. Allez, merci. Voilà. De le compter parmi les membres du Team EDF. Il y a toujours un peu de bazar à ranger quand même, hein. T'as vu ça un peu, toutes ces pièces de centimes que j'ai? Je suis pas très très matérialiste, c'est pas quelque chose qui a vraiment beaucoup beaucoup d'importance pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est de sentir que les gens croient au projet, les gens ont envie d'être associés à l'aventure. Tout le monde est relativement content de voir une belle marque comme BMW s'intéresser au canoë, quoi. Ça, c'est plutôt positif, je pense. J'ai pas fini et j'ai vraiment besoin de continuer à avoir l'impression d'être un petit jeune qui a rien fait, qui a jamais rien gagné et qui a intérêt à se bouger les fesses pour être bon à Londres. Parce que si je m'installe dans ce pseudo-confort, dans cette pseudo-réussite,
d'un mec qui a déjà tout gagné, qui a plutôt bien réussi avec des partenaires et tout ça. Je sais que demain, je vais prendre une grosse claque, quoi. Donc, j'ai pas du tout envie d'assumer aujourd'hui cette réussite. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai décidé de tourner la page, je reviendrai dessus, mais pour l'instant, l'histoire, elle est pas finie, donc elle est pas réussie, quoi. C'est jamais la même chose, c'est jamais la même histoire, et c'est toujours différent. Et du coup, j'ai hâte de voir comment je vais réagir cette fois-ci.